Bonjour à tous, c'est Arkin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online et aujourd'hui on se retrouve sur une course qui s'appelle Carrefour en folie et donc qui est une course qui n'a pas été prise par Rockstar mais par quelqu'un qui a créé la course avec le mode éditeur et pour moi c'est ma course préférée, ma course custom préférée parce que vous allez voir donc que en fait on tourne autour d'un pâté de maison et on saute comme ça au-dessus d'objets qui ont été placés là et c'est plutôt marrant. Je vous conseille vraiment de la tester, je vais vous laisser le gameplay sur celle-là, on était avec des membres du crew et d'autres abonnés et franchement on s'est bien marré. Par contre je vous déconseille de la faire en moto parce que en fait il y a un bug avec les motos et à chaque fois qu'on veut sauter sur la rampe ça nous fait nous crasher sur la rampe. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo l'effet que ça fait et ça nous pourrit complètement le gameplay. Par contre il y a une petite astuce qui fait que si vous la faites en moto il faut passer sur les côtés de la rampe pour éviter de mourir à chaque fois, ou sinon il y a aussi un endroit exactement où il faut passer mais c'est vraiment trop galère à viser, donc je vous conseille de le faire en super sportive, c'est vraiment super marrant pour déraper un peu partout. Vous voyez les sauts qu'on fait, c'est énorme, vraiment moi j'ai adoré celle-là. Bon, il y avait Soso 34 qui m'a bien pourri avec sa Entity, il me faisait l'intérieur et il a gagné je crois les deux ou les trois courses qu'on a fait sur le truc, donc bravo à toi. Donc je vous conseille de tester Carrefour en folie, vous pouvez trouver le lien de la course dans la description. Et sur ce, on va passer à la photo du jour, qui a été prise aujourd'hui par Salem Zemzem et qui nous montre un vélo volant tout simplement. On se croirait dans E.T. sauf qu'il n'y a pas le mec dessus. Donc je sais pas comment le vélo a fait pour atterrir. Je sais pas comment le vélo a fait pour voler comme ça dans les airs. Si jamais tu as la réponse et que tu revois la vidéo, n'hésite pas à nous dire comment t'as fait dans les commentaires ci-dessous. Et vous avez pu voir en fond de gameplay que j'ai réussi à me manger méchamment dans les échafaudages, mais bon, normalement, ça devrait pas trop me poser de soucis pour finir à la deuxième position sur cette course, qui je vous le rappelle, s'appelle Carrefour en folie. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Et en attendant la fin de la course, je vous fais une petite update sur le crew, donc le premier crew qui est complètement plein. Donc on a atteint les 300 membres et donc c'est pour ça que vous êtes nombreux à vouloir le rejoindre, mais malheureusement on ne peut pas avoir plus de 300 membres dans le crew, donc c'est pour ça que Yes a créé un deuxième crew qui s'appelle GTA 5XRK2, vous pouvez le rechercher sur le Social Club et je fais partie également de ce crew là, donc si jamais vous me voyez connecté et que vous voulez jouer avec moi, je vous invite à rejoindre ce crew, comme ça vous pourrez également me voir quand je suis connecté et si j'invite les gens à faire des courses ou des missions, vous pourrez le rejoindre également. Une autre petite info, je n'accepte plus les demandes d'amis sur le PSN, tout simplement parce que vous êtes trop nombreux maintenant, je suis vraiment désolé, c'est impossible à gérer pour moi, comme ça l'avait fait avec Skype, en fait, il y a vraiment trop de monde qui essaie de m'ajouter et je peux pas gérer tout le monde. Donc vous pouvez m'ajouter en ami sur le Social Club, ça c'est quelque chose qui est très facile à gérer parce qu'on peut le faire depuis Internet, mais on ne peut pas gérer ses contacts sur le PSN depuis Internet, donc il faut le faire à chaque fois sur la PlayStation, donc c'est un peu difficile. Donc je m'excuse pour ça, mais vous pouvez toujours jouer avec moi quand vous me voyez connecté en tant que membre du crew. J'envoie des messages du crew. Bravo à Sasa031 LOL qui a gagné la course également, je me tiens à dire ça. Et juste après la course, donc je vais vous montrer maintenant ce qu'il ne faut pas faire quand vous prenez les motos. Donc en fait quand vous démarrez, c'est à chaque fois que vous voulez traverser et sauter par-dessus les rambardes, vous allez risquer de vous manger le truc. Donc au début j'ai pas compris ce qui m'arrivait parce que on arrive, bam, on prend la rambarde, on meurt. Donc je me suis dit merde, il y a un truc qui s'est passé, il y a un mec qui m'a tiré dessus. Et un truc, en fait je me suis rendu compte que tout le monde est mort et donc j'ai réessayé une deuxième fois et paf, ça me l'a refait encore. Donc bon, on a vite compris que ça allait pas marcher comme ça. Et on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et sur ce, moi je vous dis à plus et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao !